Et pas de soucis les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est Royal comme d'habitude. J'ai dit la intro deux fois, c'est pas grave, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Epic Games pour jouer à tous les jeux après. Vous allez sur internet, Google Chrome, Firefox, je sais pas quoi, merde. Vous allez là, Yahoo aussi, on s'en fout. Donc vous marquez... Attendez, je mets le micro un petit peu, voilà. Vous marquez Epic Games. Voilà. Le PC qui bug, c'est génial. Vous marquez Epic Games. Télécharger. Tac. Vous voyez comme ça bug, c'est abusé. Waouh. Télécharger. Donc, c'est pareil en fait. Epic Games, télécharger PC, machin. C'est pareil, on s'en fout. Cool. Hop. Je vous le mettrai dans la description, les gars, vous inquiétez pas. Déconner parce qu'il est pourri et qu'il marche pas. Bon, si vous voulez, j'appuie là. Et par contre, je le téléchargerai pas. Vous voyez que ça marche quand même. Là, on va voir le truc. Là, installé. Donc, on va avoir l'assistant, je sais pas quoi là, vocal. L'assistant pour télécharger le truc en fait. Moi, je vais pas le télécharger parce que voilà. Donc, téléchargez-le. Allez dans vos fichiers ou faites-le directement ici, vous l'ouvrez, vous téléchargez le truc et vous l'aurez normalement. Donc une fois que cela sera installé, vous allez sur Epic Games, vous téléchargez Fortnite dessus, si vous voulez Fortnite bien sûr, vous avez le choix, hein, bien sûr. Et voilà, vous vous amusez, vous faites mumuse, vous faites ce que vous voulez. Par contre les gars, je vous dis d'avoir mon PC pour jouer à Epic Games, parce que voilà quoi. Ça défonce un peu tout. La dernière fois, j'ai joué à Fortnite. J'ai essayé de jouer à Fortnite, ouais. Ah ouais, avec un PC portable. Qui coûte rien du tout. T'as même FPS, frère. J'avais 2 FPS, 12, 13. Allez, des fois 19, ouais. Allez, 14, ouais. Voilà. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis ciao, ciao. Et ben voilà, hein. Allez, bisous !